dimanche. On dirait que mon état s'améliore pas pantoute. L'appartement est en bordel ben raide. J'ai des boîtes qui sont là pilées. Faut que je commence à faire des boîtes. Aïe aïe aïe. Ce soir, je m'en vais faire une captation de sous-écoute. J'suis un peu... c'est tellement pas ma journée. Je me sens comme tout... Puis le café veut pas embarquer. Seulement le café, ça me donne un petit kick, mais là, j'ai de la misère. Puis il faut que je pack mes affaires pour sous-écoute. Faut aussi que je prépare l'épisode pour le mettre en ligne ce soir. Ah, quelle journée weird. Ah, ça va être une soirée longue. Cette semaine, j'ai pogné un gros coup de vieux. Premièrement, ma grande fille va avoir 16 ans bientôt, dans quelques jours. Deuxièmement, elle a commencé à travailler dans un cinéma. Sa première job. C'est drôle, ça me faisait drôle d'aller la porter, être habillée toute avec son uniforme pour aller travailler dans un cinéma. Elle avait le même uniforme que les adultes. Vraiment, elle est en train de se mélanger dans le monde d'adultes, elle est en train d'intégrer le monde des adultes. Pour moi, c'est encore la petite fille que j'ai bercée, que j'ai catinée. J'ai comme le goût de la ralentir, j'ai comme le goût qu'elle devienne pas une adulte. C'est encore une enfant pour moi. J'ai comme le goût d'y crier, avance pas trop vite. Il y a comme cette étape quand on est enfant, qu'on veut absolument devenir un adulte. Mais on n'a pas aucune idée de ce que c'est être un adulte. Quand tu passes d'enfant à adolescent, c'est le fun parce que là, t'acquiers des privilèges. T'as le droit de sortir plus tard. T'as le droit d'aller à des parties. Puis à un moment donné, t'as acquis à peu près tous les privilèges que tu peux avoir en tant qu'adulte. Et c'est là que tu passes à la deuxième étape, où est-ce que là, c'est plus des privilèges qui s'ajoutent, mais c'est des responsabilités. Là, c'est un peu plus fréquent. C'est surtout à ça qu'on veut préparer nos enfants. On dirait que j'ai pas le goût que ma fille passe par le même chemin que moi. J'aurais le goût d'y raconter ma vie au complet, y expliquer toutes les étapes, y expliquer toutes les épreuves qui sont dures dans la vie, juste pour la protéger. Mais en même temps, il y a des affaires, tu sais, que tu peux pas enseigner à tes enfants, que tes enfants vont découvrir tout seuls. Fait que t'es laisse aller, puis tu leur fais confiance. Il y a une étape dans la vie où est-ce que c'est ça. Tes enfants sont moins là, ils ont moins besoin de toi, ils sont plus indépendants. T'as plus aucun contrôle, tu peux juste assurer une présence. Tout ça, ce qui est capotant, c'est que c'est la boucle. Parce que tout ça, je l'ai fait vivre à mon père. Des affaires que t'as pas écoutées, il y a des affaires que j'ai pas écoutées de mes parents. Puis qu'aujourd'hui, je suis en train de crier dans l'oreille de mes enfants, puis qu'ils passent pas. C'est fou. Faut qu'ils apprennent par eux autres même. Thank you.
Mais focus. Focus sur ma face. Hello, Julien. On est mardi, je peux officiellement dire que je fais plus de fièvre, je suis plus malade. Ça fait du bien, on dirait que ça m'a quitté ce matin. J'ai passé une bonne nuit de sommeil, j'ai récupéré de l'énergie, j'ai fait une petite sieste tantôt. Aujourd'hui, j'ai même eu l'énergie pour monter sous-écoute, prendre de l'avance sur sous-écoute. Il m'est arrivé un petit pépin, là on a perdu un show, on a enregistré deux shows dimanche. On a enregistré Julien Bernatchez avec Simon Portalance. Ce show-là, tout est speak and span. Mais le deuxième show, Mathieu Pepper et Joe Guérin, on dirait que j'ai juste du white noise, je capote. Fait que là, j'essaie de récupérer ça, j'essaie de sauver ça in extremis. Mais sinon, si ça marche pas, c'est un show qu'on a enregistré pour absolument rien. Sauf que là, je mets tout ça de côté parce que c'est bientôt la fête de ma fille, dans quelques jours. Puis elle m'a demandé de passer du temps avec moi. Ça m'a comme touché. Elle a fait comme « Oh, je voudrais aller souper! » Je voudrais aller souper avec toi! Fait qu'elle veut aller souper avec son papa. Là, j'ai demandé où, ben elle va aller au Saint-Hubert. Puis en même temps, faut que j'aille chercher un petit peu de médecine pour ma blonde parce que là, moi j'ai plus de fièvre. J'ai encore un petit peu le rhume, mais j'ai plus de fièvre. Sauf que c'est toute ma blonde qui a attrapé. Pauvre elle! Fait que faut que j'aille chercher quelques trucs à la pharmacie. C'est-tu mieux? C'est mieux, hein? Pis là, après avoir été reporté ma fille, je vais peut-être aller faire quelques petits timelapses. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. C'est ça qui arrive quand t'as plus de cheveux. Je me moquais du monde qui perdait leurs cheveux, puis je pense que le petit Jésus m'a puni. Ouais, fait qu'après, je vais peut-être aller me pogner un petit parc, un petit endroit sur le bord de route 132. Bon, aller faire des petits timelapses de la ville. Fait super beau, regardez ça le beau soleil. Regardez ça le beau soleil. Oh yeah! On s'en va chercher les médecines à la pharmacie, puis après ça on s'en va chercher la grenouille. On s'en va manger du bon Saint-Hubert. Hello? Ouais? Qu'est-ce qu'il y a, ma grenouille? Bon, ben, OK. On ira souper demain. OK! Bye, maman. C'est remis à demain. Il est 4h45. Ça a bien l'air que ma grenouille peut pas venir souper avec moi parce que elle travaille au cinéma ce soir. Ma blonde est malade. Dan est malade, je me retrouve tout seul de la soirée. Fait que je m'en vais souper vite fait. Puis après ça, on s'en va s'installer quelque part sur le bord de la 132. On va aller faire un beau time-lapse. Je vais avoir le temps de pogner le coucher de soleil. Ça va être spick and span, ça va être malade. On est mercredi, on s'en va au restaurant, moi et ma grande, parce que c'est... C'est sa fête! Le souper qu'on a manqué hier, ben on s'en va le faire ce soir, on s'en va au... Saint-Hubert! Parce que ma grande-fille va avoir... 15 ans. À 15 ans, moi, j'avais une job, j'avais Frenchie. T'as une job? Non, demande-moi pas si j'ai Frenchie. T'as-tu Frenchie? Papa, arrête là! T'as Frenché? Non. Qui t'a Frenché? Comment il s'appelle? Je sais pas, je me rappelle plus. Tu me niaises! Oui, je te niaise, mais je veux pas dire le nom.
Tiens ma grenouille pour ta fête. Merci. T'as aimé ça ton souper de fête, ma grenouille? Oui. Seul avec ton papa, papa, oui. Il aime ça passer du temps avec toi. Faire un time-lapse en train de capter le coucher de soleil pendant que j'avais les yeux sur la caméra. Il y a un bateau, il a pas fait de bruit, mais pas un son, je l'ai jamais vu venir. Je me lève les yeux, il y avait un énorme bateau devant moi qui est passé tout tranquillement puis qui est venu cacher le coucher de soleil. C'était tellement beau là, waouh. Je capote ben raide. Quel beau moment. Je sais pas si ça va donner des belles images, mais c'est tellement impressionnant. Juste comme cette espèce de grosse masse-là qui passe devant moi, sans dire un mot, sans faire un son. Ouh. Tout en silence, doucement, il glisse sur l'eau, puis il s'en va. C'était écœurant. Wow. Débile. Regardez ça. Joby, 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 Jo